j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui, vidéo très spéciale parce que je viens de découvrir un mode de jeu qui s'appelle Roi de la Tempête. Je me suis pas fait spoil, hein, je vous jure, je me suis pas fait spoil. Ah non. Bon, après je vais faire la rediffusion pour les remerciements 50 abonnés. C'est quoi ça? Bon, on va pas parler, on va directement lancer la game. Oh, par contre, c'était pas prévu du tout. Après, on va voir les nouveautés en mode créatif. Le concours du roi de la tempête. Attends, il y avait le monstre de sauver le monde là. Non, imagine, c'est le monstre de sauver le monde. Par contre, si c'est ça. Et je vous jure, je ne suis pas fait spoiler. Hein. J'ai vu dans l'avatar, dans le truc du logo Roi de la Tempête, j'ai vu qu'il y avait le monstre de sauver le monde. Pour les zombies, là, au début de saison 1, je sais plus. Non.
moi, par contre, mes poils, ils ont grossi. Hein. Je te dis, j'ai des poils d'un singe. Hein. J'ai des poils d'un ours. Ouais. Donc, on va y aller sur le mode créatif. Mode. C'est le mode créatif. Ah, sur ton écran, t'as même pas mis le code créateur. N'importe quoi, toi. Mode créatif. Bon, on va voir. Oh, imagine, il y a le roi de la tempête en mode créatif. Genre, tu peux poser. Ou sinon, vous voyez, il y a les zombies verts. Moi, j'ai envie de tester ça. Hein. Moi, je vais pas faire une game en plus. Hein. Tu vas regarder.